Oh merde, je... Bonjour madame. Virginia, est-ce que mon bain est prêt? Oui madame. Ok, demande au chauffeur d'apprêter la voiture. Et s'il te plaît, apporte-moi un café. C'est mon premier jour de travail et je ne peux me permettre un retard. D'accord madame. Vous avez commencé à venir au travail ensemble tous les jours. J'espère que vous n'êtes pas en train de coucher ensemble, hein? Parce que ce sera un péché contre l'Éternel. Et ils n'admettront jamais qu'il se passe quelque chose entre eux. Ne les calcule même pas. Meilleurs amis. Nous sommes des meilleurs amis. Marc connaît même mon petit ami, n'est-ce pas, Marc? N'importe quoi. J'arrive. Entendez. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien? C'est quel genre de question ça? C'est quel genre de question ça? Tu me poses une question qui n'a pas de sens! Je suis sorti de chez moi, j'ai dû marcher! J'ai dû marcher pour pouvoir arriver au travail! J'ai dû utiliser en moyenne 2 heures pour arriver ici! Bonjour madame! Bonjour madame! Je m'appelle Mathilda, je suis votre assistante personnelle. Vous êtes la bienvenue dans les locaux. Recule. Plus loin. La prochaine fois que tu voudras me parler, tu gardes tes distances. Compris? Oui, madame. Je veux le reste du personnel dans mon bureau maintenant. D'accord, madame. Mais qu'est-ce qui t'énerve autant? C'est quel genre de question, Diane, que tu me poses là? Pourquoi tu me poses ce genre de question? C'est pas à toi que j'ai dit que je dois des gens. Normalement, maintenant, si je sors de cette maison, 7 personnes vont s'aligner en rang comme ça. Ils vont me demander de l'argent. L'argent que je leur dois, hein? Et vous venez me demander si je vais bien. Ne me frustrez pas, hein? Et toi, pourquoi tu es en train de me regarder comme ça? Pardon, pardon, mon frère. Qui est ton frère? On n'est pas la cause de ta frustration. On n'est pas la cause de ta frustration, s'il te plaît. Foutez-moi la paix dans ce bureau, s'il vous plaît. N'importe quoi. Hé! Hey! Tu es vaincu au nom du Seigneur Jésus! Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ma bouche sent? Tu aurais dû me demander avant de venir me polluer avec ta bouche qui sent mauvais, là. Non, ta bouche ne sent pas. Ça ne sent pas. Tu ne t'es pas brossé les dents? Mais c'est pas ce que la nouvelle directrice a dit. Et en plus, elle nous a conviés pour une réunion. J'ai appris que la nouvelle DG est en fait la fille du PDG. C'est une très belle femme. Par contre, j'ai aussi appris qu'elle est très grossière. T'as vu? Très grossière et très arrogante. Alors comportons-nous tous bien. Frère, j'ai entendu dire que c'est une femme très gentille, travailleuse, acharnée et super sympa. Elle n'aime juste pas les bêtises. L'avocat de l'univers. Dans peu de temps, tu vas commencer par la suivre comme un chien. Tu penses qu'elle est comme Mathilda? Et toutes ces filles dévergondées que tu suis partout, tu vas juste perdre ton boulot. Hé, je rejette ces déclarations. Ne sais-tu pas qu'il y a du pouvoir dans la parole? Il ne perdra pas son boulot au nom de Jésus. Amen. Bien.
qu'elle soit dure ou pas, je ne vais pas laisser cet enfant gâté se comporter ou me parler n'importe comment. Vous le savez tous, non? Cette bouche n'est pas là pour rien. Ah oui, pour toute action, il y a une réaction. Donc, si elle me le fait, je lui fais aussi. C'est action-réaction. Hein? Parce que moi, tu me fais, je te fais, hein. Je n'ai pas le temps pour du n'importe quoi. Les gars, pouvons-nous y aller? Allons-y! Alors, chef, la monnaie vide, s'il te plaît. Y a pas la monnaie. Le carburant est cher. Tu n'achètes pas le carburant. C'est quelle histoire de je ne paye pas le carburant? Je t'ai pris, 150 que je prends de Ogaplé jusqu'ici. C'est quelle histoire de je ne paye pas? Donne-moi mes 50 naira, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu n'achètes pas le carburant dans ce pays. Quel carburant? Chef, regarde-moi la monnaie, non? Tu n'achètes pas le carburant. Un endroit me prend habituellement 150. Mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Donne-moi la monnaie. Tu as la chance que je sois pressé, hein? Ah! Je m'appelle Omomi Jensen et je suis la nouvelle directrice générale. Évidemment, j'ai des règles et règlements assez stricts auxquels vous devrez tous vous soumettre. Et je peux vous assurer que je ne plaisante pas avec mes règles. Mantao. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, monsieur. Où sont-ils? Ils sont en haut avec la nouvelle patronne. Ils sont en réunion. La nouvelle patronne? Oui, la nouvelle patronne est là. Ils sont en haut. Ils sont en réunion. Ah, bonjour madame. Qui êtes-vous? Mon nom est Emo Ekpeyo. Je suis le responsable informatique. Et vous arrivez que maintenant? Ah, madame, vous croirez jamais ce qui m'est arrivé ce matin. Quand je me suis levé, il n'y avait pas d'eau dans mon appartement. Et j'ai couru pour aller puiser de l'eau chez mon voisin. Quand j'ai fini de me doucher, j'ai vérifié mes poches. J'ai pris du temps pour vérifier mes poches parce que j'ai habituellement autour de 500 pour prendre la moto. J'ai rien trouvé. J'ai passé plus de 30 minutes à chercher la monnaie. J'ai rien trouvé et donc... Veux-tu la fermer? C'est un lieu de travail et personne ne se soucie de vos problèmes personnels. Que ce soit la dernière fois. Et comme je le disais tantôt, j'ai des règles assez strictes que vous devriez tous respecter. Et le numéro 1, c'est le retard. Chose qui est absolument inacceptable et qui ne restera pas impunie. Madame, pardonnez-lui. J'aime cette attitude de discipline que vous avez. De la part de tous mes collègues et moi, je vous souhaite la cordiale bienvenue parmi nous. Nous sommes très contents de vous recevoir et nous sommes impatients d'avoir une bonne relation de travail avec vous, comme votre réputation vous précède. Par la grâce de Dieu, je m'appelle Évangéliste Evelyn Wokocha. Je suis là. Personne ne vous a rien demandé, du tout pas. Maintenant qu'on a terminé, vous pouvez retourner à vos postes. Bien. Encore une fois, désolé pour cela. Sortez de mon bureau. C'est ce qui se passe quand on travaille sous la direction d'une fille. Imagine qu'elle va être celle qui va m'apprendre à travailler. Honnêtement, je ne pense pas qu'elle soit aussi mauvaise qu'on le dit. Elle va juste droit au but. Ce que des mauvaises langues comme vous ne pourraient pas comprendre. Hé, garde ça pour toi. C'est quoi son nom déjà, monsieur le meilleur ami? Ne me parle pas comme ça, je ne suis pas ta camarade. Cette dame est impolie. Très impolie, je vous dis, de la tête aux pieds, elle surpasse l'impolitesse, surtout pour son âge. De quoi tu me parles? De toutes les façons, je ne suis pas fâchée, je ne garde pas rancune. Jésus l'aime. Évidemment. T'as vu comment elle a parlé à Tunde ce matin? Si quelqu'un pouvait lui fermer sa gueule. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Monsieur Imo, tu penses que c'est chic de venir au boulot en retard? Et tu te crois malin avec ça? Laisse-moi te prévenir. Cette histoire de retard va finir par te mettre au chômage si tu ne fais pas attention. Continue à me poser des questions idiotes. Mais Tunde,
Je pensais que tu étais trop énervée ce matin, au point où personne ne pouvait te parler. Qu'est-il arrivé au pouvoir de ta langue? Il y a pouvoir et pouvoir. Pardon. Regardez, j'ai pas envie qu'on réduise mon salaire. J'ai trop de factures à payer, s'il vous plaît. Pardon, s'il vous plaît, laissez cette affaire, s'il vous plaît. Maintenant, t'as peur? Ma belle, exactement. Assure-toi qu'elle me donne les bons morceaux, comme je les aime. Hé, hey, Jeanne! Qu'est-ce qu'il y a? À quoi servira-t-il à une fille de manger toute la viande de ce monde et n'avoir pas de salaire ni économie? Je suis sûre que si on calcule ce que tu as dépensé en viande, il ne restera pas 2500. Cette fille est une cachotière. Elle a beaucoup de gros taux. Sang de Jésus! Regarde, je m'occupe de mes propres affaires. Alors toi, monsieur le parfait, occupe-toi des tiennes. Compris? Vas-tu acheter la nourriture ou tu as apporté à manger? Attends. Je ne suis pas comme Jeanne, hein? Je sais, juste madame. Une seule viande. Oui, une viande. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Oui, merci. Toi-même, tu connais. Jean. Tu vas encore me le demander? Je vais te payer. Je vais te payer à la fin du mois. Ne t'en fais pas, pas hein? Pas de problème. Dès qu'on me paye, dès que j'ai mon salaire, je te rembourse. Tu prendras quoi? Comme d'habitude? Je sais. Une seule viande. Une seule viande. Une seule viande. Moi, je veux beaucoup de viande, mais je oui, sais. Bien sûr, oui. Ok, bon travail, hein? Chef, tu ne m'as pas encore remis ce que tu me dois. On a déjà reçu notre salaire 3 fois. J'espère que cette fois-ci, tes dettes ne dépasseront pas ton salaire. C'est toi-même tes dettes, hein? Tes dettes même qui vont finir ton salaire. Hein? Regarde-moi celui-là, hein? Peux-tu imaginer? Frère Tunde, tu n'es pas fatigué de traîner des dettes par-ci, par-là, un peu partout? Jésus t'appelle. Viens à lui, car c'est lui qui a payé le prix ultime à la croix pour toi, pour tes dettes. Ce n'est pas tard. Regarde, Evelyne, tu ferais mieux de la fermer. Parce que je ne sais pas si c'est le sang qu'on utilise pour payer tes dettes que de partout. Tu ferais mieux de la fermer. Regarde-moi quelqu'un que je veux aider. Aide-toi toi-même avec ton ordinateur. Endetté. Endetté sans scrupule. Bonjour, mademoiselle Johnson. Bonjour, monsieur. Vous m'avez convoqué? Oui, effectivement. Je parie que vous venez à peine d'arriver au bureau? Depuis un petit moment. Je vois. Alors, je vérifiais les résultats du premier trimestre de l'année, mais les chiffres sont erronés. Il y a une faille quelque part et j'aimerais bien comprendre. Je peux vous dire que j'ai tout fait moi-même et je ne suis pas au courant de ce dont vous parlez. Monsieur Badmans, ceci est votre département. Et c'est de votre responsabilité de donner des comptes quand on vous le demande. Ça veut dire quoi, vous n'êtes pas au courant? Ça, c'est le 3e quart de l'année. Le 4e quart et le 2e quart, tous les chiffres et leurs informations ont été enregistrés. Quelle responsabilité ai-je donc de plus? Monsieur Badmans, vous êtes le comptable de cette entreprise. Des fonds ont disparu et vous n'êtes pas en mesure de donner des comptes? Je suis désolée de vous dire que vous êtes incompétent. En fait, je ne suis pas désolée, vous êtes incompétent. J'ai travaillé avec ton père bien avant ta naissance. Et à aucun moment, il a été dit que des fonds ont été dérobés. Comment peux-tu me traiter d'incompétent? Que puis-je espérer d'un homme qui vient travailler avec 3 heures de retard? Il n'y a qu'une bande d'incompétents dans ce service. C'est quoi ça? Ce n'est pas sérieux. Papa, tout le personnel est une bande d'incompétents, indisciplinés et très peu sérieux, rien du tout. Tu dois apprendre à gérer les gens et donne-leur une chance de s'améliorer. Tu dois comprendre que tout le monde n'a pas eu le privilège d'être formé et discipliné comme toi, hein? Papa, ce sont des adultes. Ils distinguent leur droit de leur gauche. Du moment qu'ils remplissent leurs tâches dans le bureau, tu dois ignorer leur accès. Papa, tu ne m'as pas appris à être comme cela. Ok, comment vais-je ignorer le fait que les résultats du premier trimestre de l'année soient erronés? Comment? Monsieur Badmans est en train de tramer quelque chose, parce que des fonds ont disparu sans aucune trace. Je t'ai dit que Badmans travaille avec moi depuis le début de cette société. Et j'ai pas perdu un centime.
Ok, papa, mais c'est parce que tu regardais jamais de près ces choses. J'ai toujours su détecter les mauvais employés. Omi, Monsieur Padmas n'a rien à se reprocher. Peut-être qu'il y a eu juste une erreur dans les calculs. Non, je finirai pas découvrir la vérité. Je ne veux pas que tu mettes tellement de ton énergie dans quelque chose qui n'est pas perdu. Et dans le processus, détruire ma longue amitié avec Badmus. Laisse tomber, ça pourrait être un blocage à ton insertion. D'accord, papa. Maintenant, au-delà de tout ça, as-tu aimé ta première journée de travail? Oui, absolument. Bon, papa, j'ai quelques mails à envoyer, on se parle plus tard. Bonne nuit, ma tendre fille. Bonne nuit. Insertion? Ah, mais tu avais dit que tu allais commander à manger, non? Quand est-ce que tu commandes ça? Oui, Imo, il n'est pas encore arrivé. Son retard est devenu un véritable problème. C'est pour ça que je l'ai invité dans mon église, pour le dimanche du Saint-Esprit. Il a besoin d'aide. Imo, le gars Imo là, je l'ai vu ce matin quand je venais au travail. Il était en train d'errer par-ci par-là. Tu vas penser que peut-être on ne travaille pas dans le même bureau. Ma chère, dis-lui qu'il a appelé, il a prévenu qu'il est souffrant. Il va devoir passer à l'hôpital avant de venir, c'est pourquoi il sera en retard. Et j'espère qu'il n'aura pas de soucis. Hé, hey, je te lis et je t'arrête, toi et ton esprit de mensonge. Ne sais-tu pas que c'est un gros péché de mentir? Un péché contre le Saint-Esprit en plus. Ah. Donc tu préfères qu'il perde son boulot? Oh, mais c'est quelle conclusion négative dans laquelle tu es en train de tomber, hein? Mais c'est pour ça que je suis en train de prier pour lui. J'intercède pour sa cause. Regardez, maintenant il m'appelle. Que vais-je dire à madame maintenant? Tu peux tout lui dire, mais ne mens pas. La vérité t'affranchira. Je suis désolée, madame. Imo a appelé, il dit qu'il est malade, donc il a dû aller à l'hôpital. Mais il sera bientôt en route. Qui a-t-il appelé? Il a appelé Jane, la responsable des médias sociaux. Elle m'a transmis le message. Il a appelé Jane? Oui, madame. Et Jane t'a transmis le message? Oui, madame. Donc rien ne peut être fait, proprement par toi-même? Ta tête, elle est juste grosse pour rien? Tu peux rien faire de bon? Désolée, madame. Allez, sors de mon bureau! Oui, madame. Chef, tu ferais mieux de commencer à prier, hein? Parce que tu es dans un gros pétrin. Dis-lui. Madame demandait d'après toi et tu n'étais pas là. Pourquoi tu es en retard? Je sais pas qui a pris les sous dans mon portefeuille. J'ai dû marcher pour arriver. Tous mes pieds me font mal actuellement. Courage. Dieu est ta force. Mais bon sang, quand vas-tu te trouver un bon appartement et arrêter de te plaindre comme tu le fais? Un gars avec un poste décent, comme le tien, ne devrait pas faire ça. Non, ne parle pas trop. Calme-toi. C'est juste un conseil. Les gars que je connais, qui font des sites web et les relations publiques, vivent dans l'aisance. Mec, il faut que tu découvres comment ils font. Ce dont il a besoin, c'est de prières. Sérieuses prières. C'est pour ça qu'il faut que tu m'accompagnes à mon église pour le dimanche du Saint-Esprit. Comme ça, toutes les chaînes et jougs seront brisés dans ta vie. Je t'interdis de me regarder comme ça. Imo. Madame te cherche. S'il te plaît, dis-lui que tu viens de sortir de l'hôpital. Allons-y. Vous voyez, non. Vous voyez ce que vous avez causé maintenant. Mentir, c'est un péché. Mentir, c'est pas bon. Je vous le dis, la vérité vous affranchira. Mes frères, ce dimanche est le dimanche du Saint-Esprit dans mon église. J'aimerais que vous veniez tous avec moi. Oh, ils partagent l'argent dans ton église? Je vais continuer de prier pour vous tous. J'espère qu'ils paieront ma dette dans ton église. À la prochaine urgence, ou si vous devrez vous rendre à l'hôpital, vous m'appelez directement. Oui, madame. Je suis désolé. Ça ne se reproduira plus. L'unique raison pour laquelle je ne vous vire pas est que vous êtes bon. Et ne le prenez pas pour acquis. Merci. Toute la matinée, je suis assise là, et ce PC qui veut pas travailler, et vous, vous êtes introuvable. Toute ma matinée est partie en fumée. Désolé. Je vais jeter un coup d'œil. J'ai pas de temps à perdre. Dépêche-toi. Thank you.
C'est bon. Tu peux disposer. Merci encore. Maman Jésus. Ah ah. Ah, Tunde. Ah. Ah, j'ai peur, je ne suis pas comme ça. Mon frère. C'est pas petit ce qui se passe au bureau. Dis-moi, dis-moi. Sais-tu que j'ai vu le comptable sortir du bureau de la DG en colère, énervé. Dieu seul sait ce qu'elle a pu lui dire. Ah, tu ne peux pas blâmer le gars. Le gars, hein? Je pense que peut-être que la fille là lui a montré une partie d'elle. Ça c'est mauvais, très mauvais, parce que ce monsieur a l'âge d'être son père. Et en plus, il a travaillé avec son papa depuis la création de cette société. Regarde, Evelyne, regarde ce que tu dis. Tu parles comme si tu ne sais pas, comme si la fille là n'envoie personne. Elle n'envoie personne, c'est pourquoi ? La fille là, la fille que tu vois comme madame, ça. Madame, madame, madame. Tu sais, j'en ai vraiment marre de madame. Rien de ce que je fais ne lui plaît. Tout ce qu'elle voit, ce sont mes défauts. Et le pire dans tout ça, quand quelqu'un commet une erreur, j'en subis les conséquences. Je me demande pour quel genre de Jézabel je travaille. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Hé hé, le transfert est effectué. Il n'y a pas de raison de crier. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci Jésus pour ce salaire. Merci pour la provision. Seigneur, je prie que cette source ne tarisse jamais, au grand jamais. Alléluia. Ha, c'est le salaire de ton travail. Ce n'est pas un don. T'es là à faire un... Que ça se multiplie d'où ça vient. Enfant du monde, ce n'est pas de ta faute. Ne sais-tu pas que tu dois quand même rendre grâce parce que Jésus aime l'action de grâce? Ne sais-tu pas qu'il est écrit dans Malachie 2, verset 2 que si tu n'as pas un cœur reconnaissant... Je changerai tes bénédictions en malédictions. Veux-tu que ton salaire disparaisse de tes mains? Non, merci. Non, ne me remercie pas. Ah, attendez. Combien avez-vous reçu? Comme d'habitude, tu espérais des augmentations. Oh oh oh! C'est quoi cette histoire? Hé! Hé! Je vais faire vite pour commencer à rembourser... toutes les personnes à qui je dois. Comme ça, je peux facilement me déplacer dans tous les petits coins où j'ai l'habitude d'aller faire mes petites... Mon gars, pardon, faut me payer d'abord. Tu dis quoi? Chef, calme-toi. Ce n'est pas encore ton tour. Laisse-moi aller payer les grosses dettes en premier. Juste calme-toi, quand ce sera ton tour, je vais te le faire savoir. Ok, commence par les petites factures. Ah oui, j'espère que je n'aurai pas à te courir après. Oh, pardon. Tu ne trouveras pas ça drôle, hein? Pardon. Calme-toi. Toi-même, ta dette, c'est un bébé. C'est un petit bébé. Elle est très, très, très fraîche. Quand ce sera ton tour, je vais venir te voir moi-même et payer. Ce sont tes affaires. Parce que t'as dit que tu me rembourseras quand ils paieront le salaire. Maintenant, ton salaire te sourit. S'il te plaît. Ça sera pas drôle. Donne-moi mon argent. Est-ce que je t'ai dit c'était le salaire de quel mois? Est-ce que tu sais de quel mois je parlais? Madame, calme-toi. Quand ce sera ton tour, je vais te le faire savoir. D'ailleurs, tu vois... Ils sont en train de me déranger à l'hôpital, là où j'ai amené ma mère la dernière fois. Chaque matin comme ça, que l'infirmière m'appelle pour que je vienne la payer. Chaque matin. Ah, calme-toi, je vais te payer. Tunde, ne commence même pas. Tu vois, ne commence même pas. T'as des problèmes de famille. Moi, j'en ai tellement. Alors, s'il te plaît, donne-moi mon argent. Ah, bébé Jenny. M'appelle pas bébé Jenny. Parle pas beaucoup. Je vais te payer. Paie-moi. Ne t'en fais pas, je vais te... Aïe. Ah, bonsoir monsieur. Ah, s'il vous plaît, pourquoi mon salaire n'est pas complet? C'est-à-dire? Tout le monde ici a reçu son salaire au complet, mais le mien a un manquant de 30 000 naira. Pourquoi? Oh, c'est moi qui l'ai fait, mais l'ordre est venu de la directrice générale. Et vous voulez bien m'expliquer pourquoi est-ce qu'elle donnerait de telles instructions? Il suffit d'aller lui demander. Mais monsieur... J'allais quelque part. Tu sais, tu peux aller lui demander.
je te rappelle. Madame, j'ai reçu une alerte, mais il manque 30 000 naira à mon salaire. J'ai demandé au comptable et il m'a dit que vous lui avez demandé de le faire. En plein appel important, tu me fais raccrocher pour ces absurdités ? Madame, ce n'est pas du tout absurde, s'il vous plaît. C'est de ma vie qu'on est en train de parler comme ça. Tu espères la totalité de ton salaire malgré tes retards ? Je t'avais prévenu, n'est-ce pas ? Madame, j'étais en retard sur 3 jours. Juste 3 jours. S'il vous plaît, faites pas ça. T'es pas à ton propre compte, Imo. Mes règlements étaient assez clairs. La plupart du temps, la situation ne dépend pas de moi. Comme la fois passée, je voulais venir au boulot, mais je n'avais pas d'argent sur moi. Ce sont tes problèmes personnels. Ne les ramène pas ici. Et c'est la meilleure manière de te punir. Évidemment, je suis très heureuse de le faire. Madame, s'il vous plaît, juste donnez-moi juste une chance. Je promets que cela ne se reproduira plus. Je... Sors de mon bureau, Imo. Et si t'es fatigué de ton travail, alors démissionne. Madame... Je t'ai dit de sortir! Pardon pour l'interruption. D'accord, alors tu disais que pour cela, ça devrait être 2? Que s'est-il passé? Elle a enlevé 30 000 naira de mon salaire. Juste parce que je suis arrivé en retard au travail pendant 3 jours. 3 jours! Je vous ai dit que cette fille est méchante. Vous imaginez? C'est triste, mon frère. Désolé pour ça. Je ne m'attendais pas à ça d'elle. Non, pas du tout. Tu disais que c'était une bonne personne. À part Imo, le salaire de qui d'autre a diminué? Elle l'a probablement fait pour une bonne raison. Regarde. Tais-toi. Imo, désolé, vraiment désolé. Ça fait plus de 3 jours que tu viens en retard au boulot. Remercie donc Dieu qu'on ne t'ait enlevé que 3 jours. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur va restaurer tout ce que tu as perdu. Accroche-toi simplement. Alors ma chère, donne-lui ta part et Dieu va te la restaurer. Hé, enfant du monde, esprit de confusion, je te lis. Est-ce moi qui lui ai demandé de venir en retard? J'ai un truc très drôle. Donc tu espères que Evelyne donne à Imo une partie de son salaire? Mon cher frère, tu vois, je comprends ta douleur, mais je suis vraiment désolé. Je comprends ta douleur, mais toi aussi, essaie de venir tôt au travail. Essaye. Hein? D'accord. Toi, juste imagine maintenant qu'on dise que c'est quelqu'un comme moi, à qui on a réduit le salaire. Je serais juste fini. Non, je ne serai pas fini. Je serai juste mort, je vais juste mourir. Parce que comment, dans ce monde, je vais toutes les personnes à qui je dois... Tu sais à combien de personnes je dois? Il y a Sekira, une certaine... Il y a Tokbe, je crois. J'ai pris de l'huile de palme la semaine passée chez la femme. Et beaucoup d'autres personnes encore. Et toi aussi, pourquoi tu es en train de mal me regarder comme ça, hein? Je vais te payer aussi. Pardon, hein. Prends ton mal en patience. Prends ton mal en patience, hein. Je comprends ta douleur. Désolé. 220 000. Elle a enlevé 30 000 naira. Combien c'est que cet argent? Combien va-t-il me rester? Vraiment désolé. Ça ira. Ça ira, mon frère. Arrange ton ordi. Hé, ne touche pas à mon ordinateur. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Beyoncé, s'il te plaît, essaye de manger un peu. S'il te plaît, essaye de manger un peu, hein? Hein? Essaye de manger un peu. Dio, aide-moi. J'ai pas l'argent pour payer les médicaments. S'il te plaît, mange un peu, même si c'est un peu, il faut manger. Hein? Mange un peu, s'il te plaît. Aie pitié de moi. Rien va t'arriver, par la grâce de Dieu. Mange. Mange. Désolée, pardon, mange. Rien va t'arriver au nom de Jésus.
s'il te plaît. Je vais te donner de l'eau. Dio, s'il te plaît, aide-moi. Il ne faut pas boire beaucoup, pas doucement. Dio, aie pitié de mon enfant. Qu'est-ce que c'est, Tao? Bonsoir, madame. Bonsoir. On est le matin par ici. Pardon, ne vous fâchez pas. Pourquoi dors-tu lors de ton service? Ne vous fâchez pas. Beaucoup de choses se passent dans ma tête. Mon fils, Tao, il n'a pas dormi jusqu'à ce matin. Tout son corps, ça chauffe, il chauffe. Mais j'ai pas l'argent pour l'amener à l'hôpital. C'est en aucun cas mon problème. Ne vous fâchez pas. Ce sont tes problèmes personnels. Ne les ramène pas ici. Tu m'as compris? Ne vous fâchez pas. Si tu es fatigué après tes travaux, tu rentres chez toi te reposer. Pas ici dans ma société. Tu m'as compris? Oui, oui, madame. As-tu fait ce que je t'ai demandé? Lorsque j'ai commencé à nettoyer les bureaux, je voulais me reposer un peu et le sommeil m'a pris. Donc, j'ai pas pu terminer. Alors, tu n'as même pas fini tes tâches et t'es là à dormir. Ne vous fâchez pas, madame. Hors de ma vie, va finir tes tâches. Ne vous fâchez pas, madame. C'est quoi ces bêtises-là? Ne vous fâchez pas. Je fais comment? Mathilde, ma belle. Viens voir ces perruques. Très jolies. Tourne, s'il te plaît, remets-lui ça. Passe le téléphone par FedEx. Hein? Remets-moi ça vite. Ah, ces perruques sont magnifiques. Vraiment magnifiques. C'est tellement joli. À combien les as-tu payées? 140 000. Sang de Jésus! Et t'en as acheté deux? Ah oui, ma belle. C'est trop joli. Jane, quel travail tu fais exactement? Sûr que ce n'est pas celui que nous faisons qui te donne tout l'argent que tu dépenses. S'il te plaît, arrête-toi là. Personne ne t'a sonné. Ma très chère sœur Jeannette, tout ceci est vanité. Vanité de vanité. Tu vois, quand nous allons quitter ce corps et laisser ce monde derrière nous, nous n'allons pas porter toutes ces choses parce que le paradis est le but. Ah non, je vais quitter ce bureau. Je ne comprends pas. À cause de tout ça, je ne vais pas bien me coiffer? Je ne comprends pas. S'il te plaît, ma belle, quand tu auras les perruques, laisse-moi les sentir et les toucher. Je veux faire des économies pour en payer une en décembre. Bonsoir tout le monde. Je ne te demande pas d'y aller maintenant. Ok, papa, mais je suis occupée. Tu devrais faire ça à ta convenance. Pourquoi n'envoies-tu pas le chauffeur? Je devrais envoyer le chauffeur. Sur une course personnelle que je voudrais que ma fille me fasse. Papa. C'est très important que tu le fasses pour moi. N'en dis pas plus. Ok, qu'est-ce que je suis censée faire une fois là? Quand tu seras là-bas, tu vas rencontrer Dr. Jackson. Et lui dire quoi? Je te le ferai savoir. Ok, papa. Au revoir. S'il te plaît, beaucoup de jus de tomate. Qu'elle en mette assez et que la viande soit aussi grosse que moi. La grosse viande. Ah oui, ma belle. Beaucoup de viande. Comme d'accord, d'habitude, toi-même, tu sais. Il n'y a pas de problème. Dossier à soumettre. Hein? Non, t'inquiète, je ne vais pas acheter. J'ai pas vraiment. Tunde, t'aimes pas dépenser ton argent, toi, non, n'est-ce pas? Je suis bien. Oh, s'il te plaît. Laisse-moi te donner un peu d'argent pour te payer à manger. Juste un peu d'argent pour te payer à manger. Je ne veux pas que tu meures de faim. Si c'est comme ça, donc il n'y a pas de problème. Achète-moi pour moi 5. La viande 5. Tu connais Shakata Body? Ouais, le vrai même. Tu m'achètes ça aussi. Avec du dodo. Beaucoup de dodo. Va m'acheter ça. Mais c'est pas toi qui disais que t'avais pas faim? Oui, mais j'espère que ça, c'est pas un prêt. Tant que c'est pas toi qui demande, t'aimes trop ça, toi. Ah, fille du Christ. Tu vois, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Alors aujourd'hui, je m'attends au Seigneur. J'ai envie de remplir mon esprit de nourriture spirituelle. Alléluia. Jésus t'aime, c'est ça. Jésus t'aime. Ma belle, achète-en pour toi aussi. Ah, madame, merci beaucoup. Dieu te bénisse beaucoup. Merci beaucoup. Dieu te bénisse beaucoup. Mais n'en parle pas à madame, hein? Pas de problème, merci.
C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, qui a fermé la porte comme ça? Sadik, s'il te plaît, viens, viens, viens. Est-ce que tu sais qui a fermé la porte comme ça? C'est le proprio qui a fait fermer ça. Oh, Jésus, aide-moi. Aie pitié de moi. Est-ce que c'est à cause du loyer que je n'ai pas encore payé? Je l'ai dit de me donner jusqu'à la fin du mois. Quand je vais recevoir le salaire, faut je vais payer. Je sais. Merci. Je ne vais pas quitter ici. C'est ici où je vais rester aujourd'hui parce que je n'ai nulle part à aller. J'ai nulle part à aller. Quitter ici. C'est ici où il va me trouver. Je ne vais pas quitter. Ah, maman Tao, tu es généralement la première personne à partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Oui, je voulais rester un peu, me reposer. Et aussi, je vais attendre que mon fils finisse son coup du soir. Et j'irai le chercher. Ah, ok. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oui, je suis t'aime. C'est vrai. Jésus t'aime. Alléluia. Vous savez, je voulais plus du tout en parler, mais une fois tombé sur les résultats du second trimestre, tous les nombres n'étaient pas enregistrés. Que veux-tu dire par les nombres n'ont pas été enregistrés? Ne discrédite pas mon travail, s'il te plaît. Non, c'est vous plutôt qui insultez mon intelligence. Peut-être devrons-nous rester ici et te revérifier? J'ai toute la journée. J'ai déjà calculé toutes les données, et tu ne me les feras pas répéter. J'ai travaillé avec ton père depuis tellement d'années, et il m'a toujours fait confiance pour ses finances. C'est ça le problème! C'est ça le problème, parce que tu as travaillé avec mon père pendant si longtemps qu'il ne s'en rend pas compte que tu le ruines. Hé, jeune fille, assez d'insultes. Écoutez, monsieur Badmos, je ne suis pas mon père. Je me fiche que vous ayez travaillé avec mon père durant des siècles ou que vous ayez commencé avec lui. Je ne vous fais pas confiance et vous me donnez raison de ne pas le faire. Maintenant, j'ai des preuves solides que ces comptes sont erronés. J'y ai passé la nuit, les épluchés, encore et encore. Maintenant, on va rester ici tous les deux, les reparcourir ensemble, et là, vous allez me prouver que j'ai tort ou que je ne suis pas assez intelligente. Non, je ne ferai pas ça. Tu peux avoir cette conversation avec ton père. Je devrais peut-être vous faire arrêter. Me faire arrêter? Oui. Ah, on aura tout vu. Maisonnier, s'il vous plaît, je te demande pardon. Je te supplie au nom de Jésus. Il ne faut pas te fâcher. Il faut juste me donner peu de temps. Depuis tout ce temps où tu nous as chassés de la maison, jusqu'à ce moment, personne ne sait que je dors au boulot. Pardon, même Tao ne va pas à l'école ces temps-ci. C'est chez ma soeur, je l'ai amenée et l'école est loin de là. Pardon, quand on me paye le salaire, je vais te donner. Et ce qui reste... Je vais me débrouiller avec Tao. C'est pas que le salaire est beaucoup comme ça. S'il vous plaît, maisonnier. Que le Seigneur te bénisse. Well, bonne arrivée. Béni. Bonne arrivée. Peuple de Dieu. Venez écouter. Est-ce que vous saviez que maman Tao a dormi au bureau? Madame Langbouche, comment le sais-tu? Demande-lui. En ce moment, je ne sais pas entouder toi qui fais le plus de commérage. Si vous avez bien remarqué, avant que nous n'arrivions, elle est la première à être là et tout est déjà propre. Arrête avec tes commérages. S'il te plaît, s'il te plaît. Je suis un enfant de Dieu, pas une commère. Tu l'as dit la première fois, je ne t'ai pas répondu. Pour ta gouverne, le Seigneur me l'a révélé lui-même. Oui, le Seigneur m'a demandé de marcher et j'ai marché. Je l'ai surprise au téléphone. Elle parlait avec son maisonnier. Et apparemment, il l'aurait expulsée de la maison. Ah, et donc tu as conclu que c'est dans le bureau maintenant qu'elle reste, hein? Va doucement, ne dis pas des choses comme ça, s'il te plaît. Fais-moi voir. Fils de Bélial. Donc c'est moi le fils de Bélial? La prochaine fois, laisse-moi finir mon histoire avant de m'interrompre bêtement. Comme je le disais, je l'ai entendu parler, disant qu'elle a dormi au bureau. Elle l'a dit elle-même. Il y a quelques jours,
J'étais la dernière à quitter les lieux. Et je l'ai vue dans le bureau. Vous savez qu'elle est souvent la première à arriver. Je lui ai donc demandé ce qu'elle faisait là à cette heure-ci. Et elle m'a donné des excuses bidons par rapport à son fils ou un truc dans le genre. Quoi qu'il en soit, j'espère que c'est pas vrai. Parce que dernièrement, on dirait qu'elle est tombée malade. Elle a maigri. C'est vrai, très vrai, je suis sûre de ça. Attends, du coup, quand tu as appris la nouvelle, tout ce que tu as trouvé à faire, c'est de venir en parler ici. C'est ce que votre église vous enseigne? Non, je ne suis pas une commère. Je fais juste des observations. Et elle me fait pitié. Regarde, si tu n'as pas de solution au problème des autres, tu devrais juste essayer d'être gentil et éviter de mettre ton nez dans leurs affaires. Évidemment. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Elle aime trop faire les commérages. Hé, hey Dieu! C'est quel type d'attaque encore? D'accord, vous qui êtes au courant maintenant de la situation, quel type de solution voulez-vous apporter? Allez, allez l'aider alors? C'est pas de votre faute. Regarde. C'est parce que Dieu m'a révélé des choses lui-même et m'a chargé de vous les transmettre. C'est quoi ce problème? Laisse-la. Me l'a révélé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Toujours toi. Écoutez, vous m'avez pas dit pourquoi... Eh monsieur, nous allons dans nos bureaux. Et là, vous verrez ce qu'il en est. Je travaille pour cette compagnie depuis 27 ans. Et vous venez comme ça m'arrêter au bureau? Et sans me dire pourquoi vous m'avez arrêté? Monsieur, pouvons-nous y aller? D'accord, d'accord. Je vais bouger. Allons-y. Vous devez de me dire pourquoi monsieur, vous m'avez arrêté. Nous allons dans nos bureaux. Vous serez J'étais sur place. Dans cette entreprise. J'ai travaillé dans cette entreprise depuis plus de 27 ans. Dites-moi donc pourquoi vous m'arrêtez? D'accord, d'accord. Allons-y, allons-y. Sait-elle depuis combien de temps l'homme travaille pour son père? Et maintenant, en à peine un mois de travail dans ce bureau, elle fait arrêter le monsieur. Qu'est-ce qui te fait rejoindre cette conversation alors qu'elle vous paye très bien? Non mais Alice, c'est vraiment ridicule. Et si le gars était innocent, comment va-t-elle lui demander de revenir? Cet homme travaille ici depuis plus de 27 ans, je suis sûr que c'est au-dessus de son âge. Que Dieu te bénisse. Mais s'il te plaît, regarde cette honte. Regarde ce genre de honte. Hey! Mais ça, c'est le plus haut niveau de honte que j'ai jamais vu dans ce monde. Mais cette fille est maligne, hein? Elle était juste debout là-bas. Juste là-bas, en train de regarder l'homme partir, en train de marcher juste comme ça. Et elle est juste là, comme ça, toute calme. Regarde. Ce n'est pas de sa faute. Elle a été ramenée de l'université pour prendre le devant de l'entreprise de son père. Elle pense que le monde tourne autour d'elle. Mais je me questionne réellement. Et si jamais cet homme était réellement coupable de détournement de fonds et que la DG soit l'instrument que Dieu a choisi pour le démasquer? Et alors, au lieu de l'embarrasser de cette manière, elle aurait pu simplement lui demander des explications. Mais Mademoiselle Oumi a appelé M. Badboss pour qu'il lui explique le numéro manquant. Mais son explication n'était pas substantielle. Voilà! Voilà! Regardez les gars, j'ai pris mon temps pour comprendre cette dame. Elle ne fait pas les choses juste comme ça. Elle est peut-être brusque parfois, oui. Mais elle veut vous voir avancer. Elle est juste disciplinaire. Arrête-moi cette connerie! Peut-elle traiter son père de cette façon? Jamais de sa vie! Otto, tais-toi un peu. Baisse un peu plus ta voix! C'est comme si tu veux entrer dans la liste noire de madame. J'ai des courses à faire. Je dois y aller. Ah, ok. Il n'y a pas de souci. En venant, s'il te plaît, il faut m'acheter ce... Fous-moi la paix. Oh, s'il te plaît. Tu n'étais juste un mendiant. Ah. Faut demander pour toi aussi, non? Comme ça, vous voulez tous me faire croire que l'argent que j'ai laissé là a miraculeusement disparu sans qu'aucun d'entre vous ne l'ait pris? Madame, je monte à peine à l'escalier qui mène à votre bureau. Je vous jure, madame, je ne peux pas prendre votre argent, madame. Regardez, moi que vous voyez comme ça, certes, j'ai toujours besoin d'argent, mais j'ai peur de la prison, oh, madame. J'ai toujours craint la prison, hein? Où se trouve Jean dans tout ça? Elle vient juste de prendre la route pour aller tourner la pub. Madame, en tant qu'enfant de Dieu, ça va à l'encontre de ma foi et des principes divins de toucher à ce qui appartient à autrui. Plus encore, voler l'argent de quelqu'un d'autre. Tu sais que c'est de ta faute, n'est-ce pas? Ce bureau est sous ta responsabilité. Alors toute décision que je prendrai, tu en subiras le double. Madame, je ne toucherai jamais à votre argent. À ce que je sache, personne n'en sait rien.
L'agent de sécurité n'a pas assez aux locaux, alors vous êtes les seuls suspects. D'accord. Vu que personne ne veut avouer, vous ne me laissez pas le choix. Je vais donc vous faire tous arrêter, afin qu'on trouve le coupable, et après les autres seront relâchés. Je suis foutu, oh. Jésus. Madame, j'ai rien fait. Madame, excusez-moi, madame. S'il vous plaît, je veux dire quelque chose. En effet, Mama Tao, la femme de ménage, ces temps-ci, elle dort dans les bureaux. Elle dort dans les locaux ? Le Seigneur me l'a révélé. Je suis très sûre de cela. Nous devons l'interroger. Nous devons l'interroger. Es-tu au courant de cela ? Evelyne m'en a parlé hier de cela, quelques jours. Mais je n'ai pas de preuves. Pour une information aussi cruciale ? T'as besoin de confirmation ? C'est quoi ton travail ici ? Je suis désolée, madame. C'est quoi ton rôle ici ? Je suis désolée, madame. Désolée pour toi-même. Allez me chercher la ménagère. Désolée, madame. T'as vu ? Ah, il y a quoi ? Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, c'est toujours toi. Maman Tao ? Il y a quoi ? Maman Tao, Evelyne a dit à madame que vous dormiez au bureau. Et en ce moment, madame cherche sérieusement son argent. L'argent ? Moi ? Je suis pauvre, mais je ne vais jamais voler de l'argent. Super. Venez clarifier cela. Allez, on y va, on y va. Je ne vais jamais voler dans ma vie. Madame la ménagère, je cherche l'argent que j'ai laissé dans mon tiroir. L'as-tu pris ? Madame, je n'ai rien pris. Pardon. Tu dis ne pas avoir pris l'argent ? Non, madame. J'ai même pas vu. J'ai pas vu l'argent avec mes yeux. Je te jure sur ma vie. Je n'ai vu aucun argent. Tu sais pourquoi je te crois pas ? Numéro 1, tu es la deuxième personne à avoir assez à ce bureau. Numéro 2, j'aurais appris que tu dors dans les locaux. Alors dis-moi, comment pourrais-je croire que tu n'as pas pris l'argent dans le tiroir ? Ah, madame. C'est Mathilde qui ouvre la porte pour moi. Quand elle ouvre la porte, je rentre, je nettoie. Et quand je finis de nettoyer, elle me surveille même. Et quand je finis de nettoyer, elle ferme la porte. Et pas, je pars. J'ai pas vu de l'argent avec mes yeux. Pardon, madame. Madame, je crois qu'elle dit la vérité. Je ne pense pas qu'elle ait pris l'argent. Tu ferais mieux de la fermer, sinon tu endosseras toute seule la responsabilité. Tout le monde devrait dire la vérité et éviter qu'on ne soit honnis ici. Ah. Pourquoi dors-tu dans les locaux ? N'as-tu pas hanché ? La maisonnière a fermé ma porte parce que je n'ai pas payé le loyer. Et je l'ai supplié. Je lui ai dit de me donner jusqu'à la fin du mois. Mais elle a refusé. J'ai même pris mon fils pour aller chez ma soeur. Il ne va pas à l'école. Et là-bas, c'est loin du boulot. Je ne veux pas perdre mon travail. C'est pourquoi je dors ici. Si je perds ce travail, ça serait difficile de trouver un autre boulot. C'est la raison pour laquelle tu as volé mon argent pour pouvoir payer ton maisonnier. Madame, je n'ai pas pris de l'argent. Oh oui, c'est logique que tu aies volé l'argent parce que tu étais désespérée pour payer ton loyer. C'est la seule explication sensée ici. Non, madame. J'ai demandé au maisonnier de me donner jusqu'à la fin du mois, mais il a refusé. Madame. Pardon, aie pitié de moi. J'ai pas pris de l'argent, je ne vole pas. Tu sais quoi ? Juste parce que tu continues de dire des mensonges en face de moi, tu es virée. Ah ! Va ramasser tes affaires et quitte les lieux. Madame, pardon, aie pitié de moi. Je dis, va ramasser tes affaires et quitte les bureaux. Madame, aie pitié de moi. Vous pensez pas que c'est trop dur, madame ? Madame, aie pitié de moi. Et si elle avait pas pris l'argent ? Tu devrais la fermer, je m'adressais pas à toi. Madame, il faut aller juste doucement, hein. Ces accusations que vous mettez sur cette dame, c'est trop, hein. Vous n'avez aucune preuve tangible qui prouve que cette dame a pris l'argent. Je pense que vous devez être prudente dans vos accusations. Parce que cette chose que vous voyez peut se retourner vraiment. Et si ça se retourne, ça peut se retourner contre vous. Oh, je vois. Vous vous liguez tous contre moi maintenant. Ah, jamais, pas ça. Vous êtes tous entrés dans mon bureau pour voler mon argent ? Non. Je n'ai rien pris. Ah, non. Tu dis, mais de quoi tu parles ? Non. Vous êtes tous virés. Hey. Allez tous chercher vos affaires et quitter les locaux immédiatement. Seigneur, madame, je n'ai rien pris. Ah. Sortez de mon bureau. Madame, c'est lui. Sortez. Hey. Madame, c'est pas ça. Mathilda, si tu ne sors pas de mon bureau, je ne reprends plus de rien. Madame, j'ai rien fait. Madame. Je vais tous vous faire arrêter. Bande de criminels. N'importe quoi. Vous avez vu ce que vous avez fait ? Vous savez que c'est à cause de vous qu'on a perdu notre boulot maintenant ?
Il existe de meilleures façons de parler à votre boss au lieu de la défier et d'essayer d'être insultant à propos de tout. Regardez les gars, Mathilde a raison. Elle est l'employeur et elle a le droit de prendre les décisions qui lui vont. C'est tout à fait normal. Venez. Vous tous avez perdu votre boulot parce que vous travaillez pour un employeur autoproclamé, fier et arrogant, qui n'a aucune considération pour les employés qui travaillent pour lui. Nous n'avons absolument rien fait d'insultant à son égard. Tout ce que nous avons fait, c'est de souligner le simple fait qu'elle aurait peut-être tort de licencier les gens sans aucune preuve. Et juste comme ça, on est tous virés. Même le président des États-Unis a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Tunde, il y a plusieurs façons de montrer ton mécontentement par rapport à sa décision, plutôt que de nous faire virer. Oh pardon, moi, si je savais qu'elle allait nous virer, j'allais lui dire tout ce que je pense dans ma tête. Mes frères, le démon est un menteur. Hein? Nous devons tous nous réunir comme un seul homme, car il y a du pouvoir dans l'unité. Peut-être que par nos agissements, nous avons offensé la DG. Vous voyez, peut-être que quelqu'un a vraiment volé cet argent. Alors maintenant, nous devons nous rassembler. Vous voyez, soumettre cette situation au trône de gloire et intercéder. Comme ça, nous pourrons supplier, madame. Le travail ne court pas les rues. Écoute-moi bien. Je préfère rester au chômage que de la supplier. Ça, c'est un esprit de fierté, mon frère. Sœur Mathilde, tu ne veux pas venir la supplier? Hey. Ça, c'est grave. Hé hey. Mathilda, où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas au bureau? Où sont les autres? Madame, vous nous avez tous virés et vous nous avez demandé de ne plus jamais revenir. D'accord. C'est bon, merci. Voilà un peu comment les choses se sont déroulées finalement. Oui, en tant qu'une chef d'équipe que tu devrais être, ton travail, c'est d'encadrer tout le monde et non les virer. Papa, ils m'ont volé et personne ne voulait parler. Je les ai convoqués dans mon bureau pour savoir qui a volé l'argent, mais ils ne m'ont pas laissé le choix. C'est pas comme ça que les choses se font. Es-tu même sûr de là où tu as laissé l'argent? Parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de cas de vol dans la société. Papa, je n'ai pas émis d'accusation jusqu'à ce que je n'en sois sûre. De toute façon, c'est clair que chacun d'entre eux se plaignait. Ils étaient tous fainéants et paresseux. Peut-être parce que ce n'est pas leur entreprise. Mais tout le monde est paresseux. Excusez-moi, madame, ceci est pour vous. Oumi, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Comment se fait-il qu'il ne soit pas mon père? Pourquoi le test d'ADN révèle que tu es son fils et pas moi? Oumi, arrête! C'est pas comme ça que tu devrais considérer les choses. Tu devrais te calmer et analyser ça. Me calmer? Me calmer? Je reçois un test d'ADN à mon bureau qui me dit que mon père n'est pas mon père et toi tu me demandes de me calmer? D'accord, dis-moi comment je suis censé gérer ces situations, dis-le-moi. Tu devrais te calmer et quand tu seras calme, tu devrais appeler papa pour savoir s'il est au courant des résultats. C'est quoi le but de ces tests d'ADN? C'est quoi le but? C'est le pourquoi il m'a envoyé à l'hôpital la dernière fois? Il t'a
l'hôpital ? Oui, il me demandait d'aller voir un certain docteur. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit que j'avais pas besoin de savoir. Regarde, Oumi, je pense que papa a découvert que maman le trompait en ce temps. Voilà pourquoi il a demandé le test ADN. Quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Comme je l'ai dit, je ne sais rien de tout ça. Mais tu devrais te calmer d'abord. Et quand tu te sentiras mieux, tu devrais appeler papa pour avoir cette discussion avec lui. D'accord. Je t'appelle plus tard. As-tu appelé tout le monde comme je te l'avais demandé ? Oui, madame. Les autres sont en route. D'accord. Bonjour, madame. Bonjour. Des nouvelles de Jane ? Je ne pense pas qu'elle viendra. D'accord. C'est bien. Je vais poursuivre et on commence. Alors, il y a eu une petite incompréhension et une petite erreur de ma part. La dernière fois, j'ai laissé mes émotions prendre le dessus et j'ai pris des décisions dont je ne suis pas très fière. Je suis sincèrement désolée de la manière dont j'ai parlé à chacun d'entre vous. C'était vraiment inapproprié et pas du tout nécessaire. Alors, j'ai retrouvé l'argent que je cherchais. Apparemment, c'était dans mon sac à main. Je l'avais mis dans mon sac à main ce jour-là. Et le lendemain, je suis venue au bureau avec un autre sac à main. Seigneur. Qui a causé tout ce malentendu. Merci, Jésus. Et je prends toute la responsabilité. Et je suis vraiment désolée de la manière dont je vous ai parlé. Je vous demande pardon. Ouh. Bien, madame. Tout va bien. Vous voyez, c'est écrit. Si mon peuple s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies, alors moi, le Seigneur, je lui pardonnerai et je guérirai le pays.
Alors cet argent que vous cherchiez, c'est normal que vos émotions vous aient conduite là où nous savons. Ce qui est important, c'est que vous vous soyez repenti et que vous regrettez. Si Dieu peut nous pardonner, qui sommes-nous pour garder rancune? Ou bien? Tout va bien, madame. Vous avez retrouvé votre argent? Oui. C'est bon, madame. Merci. Merci, Jésus. Quelqu'un a-t-il parlé à la ménagère? Va-t-elle venir? Elle ne reviendra pas. Comment ça? La maladie de son fils s'est aggravée. Et donc, elle a dû l'amener à Ibadan pour chercher une guérison traditionnelle. Sang de Jésus! Médecine traditionnelle? Quand le sang de Jésus qui enlève les péchés et guérit les maladies est accessible? Oh, j'ai la foi que cet enfant sera guéri. Oh, alléluia. Bien, si quelqu'un arrive à parler avec elle, dites-lui qu'elle peut venir travailler. D'accord, ce sera tout. Merci. Le Seigneur vous bénisse. Je ne pense pas que Jane voudrait revenir ici après tout ce qui s'est passé. Je l'ai appelée. Et elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas supporter l'attitude de madame. C'est ce et que qu'elle j'ai dit. Va elle-même créer sa propre entreprise. Elle n'a jamais eu besoin de ce travail pour survivre. Je te dis, mon frère, cette fille a beaucoup de choses qui peuvent lui procurer de l'argent. Je ne suis pas prêt pour essayer ça, je vous dis. C'est exactement pourquoi je suis revenu ici. Parce que je n'ai rien sur quoi compter. Mais vous voyez, mais si j'essaie ce truc que Jane a essayé, je vous assure, sans blague, plus sur noir. Peuple de Dieu. J'ai appris quelque chose. Quoi? J'ai appris que madame... Madame n'est pas la fille du grand boss. Hey! Qui est? Evelyne, où es-tu allée chercher cette information? Arrête de crier comme ça. Arrête. La réceptionniste m'a dit qu'elle a reçu un colis du laboratoire d'ADN pour madame. Et quand elle l'a ouvert, quel a été le résultat? Waouh! Et oui, les merveilles ne vont jamais finir dans ce bureau. Vous voyez, dans ce bureau, hein, chaque jour, il y a une nouvelle mise à jour. Mais j'espère que ce n'est pas vrai, parce que... À cause de quoi? À cause de quoi? Hé, vous n'avez pas remarqué que le comportement de cette fille est carrément différent de celui de... Moi, je ne suis même pas surpris, hein. Êtes-vous surpris? Moi, je suis pas surpris. Mais elle vit avec cet homme depuis son enfance. Et puis, maintenant que la vérité commence à sortir, j'aimerais savoir ce qu'il en sera d'elle. Tu vois ce scoop, hein? Je vais même pas attendre. Je vais le raconter bien chaud à Jane. C'est ce genre de scoop qu'elle aime écouter. Attends. Donc, tu veux dire que le test ADN a confirmé que ce n'est pas la fille du patron? Je n'en sais rien. Je ne fais que dire ce que le Saint-Esprit m'a révélé, monsieur l'enquêteur. Ce réceptionniste. J'espère que ce réceptionniste est prêt pour ce qu'il attend quand madame découvrira qu'il a ouvert la lettre qui lui a été livrée. Quoi? Tais-toi là-bas. Arrête-moi ça vite fait. Pardon. Qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qui sortira? Écoute, laisse-moi te dire. Mon cher, mes yeux sont sur toi dans ce bureau. Tu vois, tu penses que je ne sais pas? Que c'est toi qui prends tous les scoops qu'on partage ici dans ce bureau pour aller raconter ça. Oui, c'est toi. Et regarde, laisse-moi te dire, je sais pourquoi tu fais ça. C'est parce que tu cherches la faveur auprès de sa vilaine, toi et ta pote là, tous les deux. Tunde, ne m'implique pas dans ce qui ne me concerne qu'est-ce pas. Qu'est-ce que tu vas me faire? Occupe-toi de ce qui te regarde. Ou quoi? Qu'est-ce que tu vas me faire? Qu'est-ce que tu veux me faire? Hé, les enfants de Dieu, s'il vous plaît, ne vous battez pas. Regardez-moi, je n'ai pas de force. Si on vous surprend en train de vous battre et qu'on vous demande la cause de la bagarre, vous allez dire quoi? Je n'y suis pour rien. C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé ça. Ne me mettez pas dans les problèmes. Ouais, ton Saint-Esprit. Continuez. Vous vous êtes bien trouvé. C'est tout ce que tu as à dire. Virginia, il se passe quoi madame, ici? Qui a bloqué le portail? De quoi parles-tu? Madame, ils sont venus, il y a eu fraude.
Grim, madame, je ne sais pas, ils ont juste demandé de sortir de la maison. Regina, ça veut dire quoi, je ne sais pas? Que veux-tu que je fasse de cette information? Qui est venu bloquer le portail? Madame, ils étaient trois, ils ont dit qu'il y a eu fraude. Crime, sortir de la maison. Fraude, crime. Qui commet une fraude? Qui commet le crime? Dans ma maison? Ils ont juste dit d'appeler le patron. Qui comprendra? Ils ont dit fraude, crime. Sortez. Cette maison est verrouillée. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé aussitôt que c'est arrivé? Madame, j'ai essayé de vous contacter, mais votre téléphone était occupé. J'ai même fait votre valise. J'ai pris trois de vos tenues et votre petite brosse. Ils ont juste dit de sortir de la maison. Ils ont verrouillé la porte. Donc je ne peux pas entrer et prendre quoi que ce soit? Non, madame. Ils ont tout verrouillé. Ils sont partis comment avec les clés. Comment peux-tu être là et permettre que cela soit arrivé? Madame, ils étaient trois et costauds. Mets les choses dans la voiture. Non, madame. Que veux-tu dire par mes comptes sont bloqués? Alors je passe au bureau pour qu'on règle ça? Que veux-tu dire par y a rien à régler? Allô? Madame, je pense qu'il va falloir appeler votre père. Je n'ai pas cessé de l'appeler, mais ces deux numéros sont inaccessibles. Virginia, je pense que tu devrais aller chez ta sœur pour l'instant. Je te rappellerai une fois que les choses reviendront à la normale. D'accord, madame. Est-ce que vous allez vous en sortir? J'irai bien. D'accord. Mais madame, j'ai une petite somme que j'ai économisée, comme 5000 naira. Je pourrais vous donner ça pour que vous puissiez acheter quelque chose. T'inquiète pas pour ça, tu en as besoin plus que moi. Merci. Où est-ce qu'on te dépose? Juste à côté, au prochain carrefour. Papa, tout est en train d'aller trop vite. Comment ça, tu n'es pas mon père? Papa, je suis en train de tout perdre. Ils ont saisi la maison, ils ont gelé mes comptes, ils me parlent de fraude. Mais papa, nous ne faisons pas de fraude. Chérie, calme-toi, d'accord? Sans ou pas sans, tu es toujours ma fille. Et rien ne va changer ça. Ce cas de fraude est un complot.
Et quelqu'un d'autre faisait des magouilles avec le compte de la société. Et c'est la raison pour laquelle ils ont monté tout ça. Le comptable ne sait rien de tout ça. Coup monté ? Mais qui a fait ce coup monté ? Je comprends pas. Comment t'y pu avoir accès à nos comptes ? Qu'est-ce qui se passe ? Je sais que tu as beaucoup de questions. Et rien n'a de sens pour toi. Mais la même chose avec papa. On le découvrira. Mais papa, mais j'aurais pas dû se arrêter, monsieur Badmos. Je me suis chargé de ça. Il ne viendra pas au bureau pour le moment. Et ne t'en fais pas. Il va bien. D'accord. Merci, papa. Juste trouve un moyen pour t'occuper de toi pour le moment. Tout reviendra à la normale bientôt. D'accord. Merci, papa. Alors dis-moi, comment tout se passait ton week-end ? Non, j'en ai pas. Laisse-moi voir. Vous ne devriez pas demander là où je l'ai entendu. Ce que j'ai entendu... Non. Ce que le Saint-Esprit m'a révélé, c'est que l'entreprise allait bientôt fermer. La maison de madame a été saisie. Et très bientôt, ils viendront fermer l'entreprise aussi. Maman des mamans. C'est toi la plus née de nouveau dans ce bureau. Et c'est toi qui fais le plus de commérages. Gna. C'est maintenant que je sais que tu manques d'ambition. Je suis en train de t'expliquer que ton pain quotidien est sur le point de tomber. Et toi, tu es là à raconter n'importe quoi. Ça seulement, tu n'as c'est pas raison. C'est ta faute. Madame est venue très tôt au bureau ce matin. Donc ça veut dire que maintenant je vais chercher un autre travail, parce qu'ils ne pourront plus nous payer à la fin du mois. Et primo, le boss n'est pas son père. Et maintenant, ils ont saisi sa maison. Mathilda, de nous tous ici, tu ne devrais pas être celle qui part quand les choses ne vont pas bien avec ta patronne. Pardon. Ils n'ont attaché mon cordon ombilical avec personne. Et ce poste n'est pas pour le meilleur et pour le pire. Non mais... Du coup, qu'est-ce qui se passe exactement ? Parce que je ne veux pas croire que notre madame est une escroc. Vraiment, c'est ce que moi je pense. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu révélera tous les malfaiteurs de cette société. Arrête-moi ça. Amen. Tais-toi là-bas. Amen. Reste sur une seule position. Un peu, tu es avec madame. La minute qui suit, tu es contre elle. Tu es quel genre de chrétienne née de nouveau ? Aidez-moi à lui seul demander. Seul Dieu peut me juger, pas quelqu'un comme toi. Arrête-moi ça avec tes commérages. Puis-je savoir d'où tu détiens ces informations ? Moi ? Oui, je t'ai posé une question, Evelyn. Madame, en effet, le Seigneur m'a révélé, c'est votre domestique, Virginia. Elle est venue rester chez sa sœur, qui est ma voisine, parce que votre maison a été saisie. Tu peux partir si tu veux. Quelqu'un d'autre voudrait partir ? Vous pouvez si vous voulez. Parce que Mathilde a raison. Je ne serai pas en mesure de vous payer. Jésus. Vous avez vu ? C'est ce que je disais. C'est vous voyez fini. Maintenant ? Oh Seigneur, Jésus, tu vas me sortir de cette situation. Bonsoir. J'avais tellement de boulot à terminer, donc je suis resté pour finir. Imo, pourquoi n'es-tu pas parti comme ils l'ont dit ? L'entreprise va probablement fermer. Je ne suis pas le genre de personne qui abandonne les gens lorsque les choses deviennent difficiles. Et j'ai pensé
que vous seriez preneuse de toute aide en ce moment. Je ne serai probablement pas en mesure de te payer. Je sais que vous pourriez me payer dès que les choses s'amélioreront. En plus, je fais maintenant quelque chose en ligne pour m'aider à gagner plus d'argent. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. S'il te plaît, pourrais-je me trouver un peu d'argent pour payer mes factures? Merde! Ah! Merde! Madame? Quoi? Vous allez bien? Juste, calmez-vous, d'accord? Tout finira par s'arranger. Pourquoi es-tu si gentil avec moi alors que j'ai été cruelle avec toi? Je comprends que vous faisiez juste votre travail. Je ne vous en veux pas pour cela. Avez-vous un peu d'argent à la maison? J'ai un peu d'argent que j'ai récupéré, mais j'ai peur de l'utiliser parce que je ne sais pas jusqu'à quand cette folie va-t-elle durer. Bientôt. Je suis sûr que ça sera fini bientôt. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Continuer à dormir ici? Bien, l'autre option que j'ai, ce serait la maison de ma copine, mais c'est hors de la ville. Alors, oui, ça me laisse que cette option-là, de dormir dans le bureau. Et honnêtement, je ne sais pas quand et s'ils viendront saisir aussi le bureau. Tu peux venir rester chez moi, si tu veux. Merci, mais je ne pense pas que ça soit une si bonne idée. Tu n'as pas la dernière nouvelle. Quoi? Notre DG dort maintenant au bureau. C'est là qu'elle reste. Quoi? Mais tu as appris ça où? C'est confirmé. Comme la puissance est tombée et comme grand est le bruit de sa chute. Vraiment. Qui aurait pu penser? Qui aurait pu croire qu'une telle chose pourrait arriver? Mais c'était écrit. Le juste tombera 7 fois et se relèvera encore. Je veux juste qu'elle se relève. Oh, pardon. Je me sens mal pour elle. Quelle élévation. Quel sentir mal. Regarde le temps quand ces dames faisaient du n'importe quoi, nous parlaient n'importe comment, nous traitaient comme des ordures. Elle sait pas ça, n'est-ce pas? Et tu es là à te sentir mal. S'il te plaît, ma sœur, laisse-moi m'en jaillir sur ça. Tu comprends? C'est une bonne nouvelle pour moi. Pardon, je ne peux pas m'en réjouir. Il n'est pas bien de se réjouir du malheur d'autrui. Sais-tu quand ta chute va arriver? C'est ta propre chute qui arrive. C'est toi ta propre chute qui vient. Non, ta chute à toi. Ta chute au nom de Jésus. Tu es en train de jouer la mère de Jésus. Ta chute au nom de Jésus. Comment tu vas me dire que ma chute arrive? Mais je suis si inquiète. Et si on n'arrivait pas à régler ce problème? T'inquiète pas. Je fais de mon mieux pour résoudre ce problème. D'accord? Merci. Thank you.
ventre bourdonne, j'ai tellement faim. Oh. Je m'en occupe. Ne t'occupe pas de ça, d'accord? J'ai un peu d'argent. D'accord. Je devrais aller te chercher quelque chose à manger. Je me disais qu'on pouvait faire moitié-moitié. D'accord? D'accord. Vraiment? Pas vrai. Le site est ouvert. Oh mon Dieu! C'est ouvert! Le site est ouvert! Merci, papa. Que tu sois de mon sang ou pas, j'ai toujours cru en toi. Et je t'aime tellement. Je t'aime aussi, papa. Au revoir, papa. Toby! Oh mon Dieu, où étais-tu passé? Bébé. Comment vas-tu? Ça fait un long moment. Oui. Je ne pouvais pas attendre pour te revoir. Oh, regarde, tu es magnifique. S'il te plaît. Tu sais que tu me laisses toujours sans mots. Désolé. Arrête ça. Pour ça. Parler de quoi? Il n'y a rien à dire. Sauf que papa m'a confié l'entreprise et tu sais à quel point c'était assez stressant pour moi. Je parie que ça l'est. Très stressant. Et il y a eu cette crise qui a presque failli m'achever. Ces dernières semaines ont été très stressantes. Et si tu continues de dire que je suis jolie, c'est que tu as des problèmes avec tes yeux. Non, mais plus sérieusement, si tu as traversé toutes ces mauvaises situations et que tu es toujours aussi belle, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un homme derrière ça? Non, il n'y a pas eu d'homme. J'étais très occupée, et tu le sais. Ok. Est-ce que t'es prête à prendre le déjeuner avec moi? Oui, bien sûr. On fait ça. Tu as besoin que je t'aide à transporter... Je suis un parfait gentleman. Je pense que tout est bon. Merci. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Donc c'est comme ça que ça marche finalement? Si je fais ça de cette manière. Fais cette... Ce que mes yeux ont vu aujourd'hui. Vous vous rendez compte? J'ai vu madame.
avec un joli garçon en train de s'embrasser, s'enlacer en public. Une femme célibataire, un homme qui ne l'a pas épousée. Tante la patronne avait un copain tout ce temps avec qui elle joue chaque temps. Hey. Je suis surprise, avec son mauvais caractère, qu'elle puisse trouver un petit ami. Mais elle doit prier qu'il l'épouse d'abord avant de commencer leur... Elle peut mordre le gars, là, hein? Avec sa bouche aiguisée, là. Emo, tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être qu'il n'est pas content que madame fasse des choses comme ça au bureau. Peut-être qu'il n'a pas encore mangé. Monsieur Emo est une très bonne personne. Une femme célibataire qui se comporte comme ça. Est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Le sang de Jésus couvre, messieurs. Amen. Ma journée est terminée. Imo. Merci infiniment pour tout. Je sais que je t'en dois une. C'est de ce même document dont tu parlais, non? Oui, oui, c'est ça, exactement, okay. Exactement. Ces derniers jours, j'ai pas vu Imo dans les parages. Que se passe-t-il? Madame, il n'est pas venu hier et aujourd'hui. Il est en télétravail. A-t-il donné une raison quelconque? Non, madame. Pas du tout? Non, non, pas du tout. D'accord. Je pense que quelque chose ne va pas chez Imo. Et je crois que c'est à cause de madame. Madame, calme-toi. Il a juste peut-être des choses personnelles à régler. Hé, calme-toi. Mon esprit me dit que c'est plus profond que ça. Parce que, depuis que j'ai annoncé ici que madame a un petit ami, j'ai remarqué que... qu'il a commencé à se comporter bizarrement. Evelyne. Donc maintenant, tu suspectes qu'Imo est en train de faire la cour à madame. Arrête de blaguer. Qu'est-ce que tu veux dire? Imo lui-même sait qu'il n'a pas de chance avec madame. C'est impossible. Je te rappelle. Qu'est-ce qui se passe? Tu démissionnes? Oui. C'est pas censé. T'es pas venu travailler ces 3 derniers jours et là tu me tends une lettre de démission sans me dire ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'as un petit ami? Oh. Ça? Oui. Ça. Où était-il quand tu étais au plus bas? J'étais le seul à être là pour toi. Où était-il quand t'avais besoin de quelqu'un? Où? Attends. Tu m'utilisais, n'est-ce pas? Non, non, pas du tout. Non. Tout ce temps que nous avons passé ensemble, l'embrassade, ça ne signifiait absolument rien pour toi. Ça signifiait tout pour moi. Je pensais que nous étions une équipe. Je pensais qu'on avait trouvé quelque chose de spécial pendant que nous résolvions les problèmes. J'étais seul à croire ça. Écoute... c'est mon ex. Il est revenu dans le pays il y a quelques jours et c'est tout. Ton ex? Et t'étais partout avec lui, avec des embrassades publiques? Non. Mais où as-tu vu ça cela? Ça n'a pas d'importance. D'accord. D'accord. Alors,
Il a été mon petit ami. En temps, il a voyagé hors du pays. Et la distance a eu raison de nous. Maintenant, il est rentré, on s'est juste vu, mais il n'y a rien eu. Il n'y a vraiment rien eu. Oui, il a essayé d'arranger les choses, mais je n'ai pas été réceptive. Et je ne savais pas que tu t'en souciais autant. Tu ne savais pas? Je ne savais pas. J'ai passé toute la nuit avec toi, à t'aider avec tout. Je me suis abstenue de dormir juste pour rester éveillée et m'occuper de toi toute la nuit. Nous nous sommes embrassés plusieurs fois et tu ne savais pas. Tu peux pas m'accuser. J'espérais que tu fasses tes avances, mais tu étais normal. Je ne savais pas. Je tiens réellement à toi, Imo. Je suis sincère. Tu tiens à moi? Je savais pas ça. Regarde, ça peut paraître fou, mais je suis tombé amoureux de toi et tu sais quoi? C'est très réel. Je suis amoureux de toi. Et je savais pas que tu ressentais la même chose. C'est le cas. Je ressens la même chose, Imo. Désolée. J'en sais rien. T'en sais rien, hein, rapporteuse. M'insulte pas, s'il te plaît. Les gars. Depuis quand ça a commencé? Quoi? Madame et Imo, je l'ai dit. Je les ai vus s'embrasser dans le bureau. Ils s'en fichaient pas mal que je sois entrée. Comment cela peut être possible? Quelque chose s'est déjà produit. Tu me demandes si c'est possible? Ils s'embrassaient. Jésus-Christ! Tu vois le Imo là, hein? Imo, un serpent vert sous l'herbe verte. Parce qu'il est là à faire ses manigances, ses manières et tout. Tu ne sais même pas ce qu'il fait. Hein? Ce garçon-là. Et c'est comme ça qu'un homme est censé être. Pas comme toi, qui ouvre juste sa grande bouche, ouah, et dit tout ce qui entre dans sa petite tête. Regarde-moi celle-là. Mais qu'est-ce que tu fais ici même? Hein? Je pensais que tu allais chercher un autre travail. Tu allais chercher du boulot dans des places qu'on ne connaît pas. Parce que madame n'a pas pu nous payer. Mais vas-y, non, va chercher tes sociétés multinationales. Et je dis ça? J'ai juste dit que j'allais prier pour que les choses reviennent à la normale. Et je l'ai fait. Félicitations, la guerrière de la prière. Donc, vous deux, monsieur et madame meilleure amie, vous avez abandonné l'entreprise parce que vous pensiez qu'elle allait s'écrouler. Mais je remercie Dieu, car mon Dieu n'est pas un homme. Je remercie Dieu, car mon Dieu a écouté mes prières. Car c'est moi qui ai fait la prière, pas vous. Parce que je sais que vous ne savez pas prier. Dieu a ramené madame et le patron, son papa, au sommet des sommets. Honte à Satan l'ennemi. Et toi-même tu priais, donc tu priais pour madame, n'est-ce pas? Tu ne savais pas. Bien fait. Eh bien, regardez, j'ai des nouvelles pour vous deux. Dis-leur. Dis-leur. La porte-parole, merci, laisse-moi leur annoncer ça moi-même. J'ai des nouvelles pour vous deux. Hein? Vous deux avez perdu vos boulots. Oui. Et vous avez des remplaçants. Devinez quoi? Ils commencent lundi. Comment est-ce possible? Je ne sais pas pour vous, hein. Donc prenez vos affaires et partez. Ayez une merveilleuse veille. Ne te moque pas d'eux. Toi aussi, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je voulais pas partir. C'est elle qui m'a entraîné dedans. Tu dis? Je voulais pas partir. Ah. C'est... Oui, mais partez, non? Les deux meilleurs amis. Je vous souhaite la meilleure chance. Les meilleurs amis. Allez faire les meilleurs amis à la maison, non? N'est-ce pas? Comment tu vois ça? Aldon et Eve, comme tous les deux allaient bientôt connaître la faim, la souffrance, le chômage et tout ce qui va vraiment avec, je prie que Dieu, dans son infinie miséricorde, vous accorde un nouveau boulot. Et quand vous l'aurez à nouveau, si vous le souhaitez, jouez encore avec.
N'importe quoi. Et n'oubliez pas... Jésus vous aime. Oui, c'est ça. On n'a qu'à faire vite pour finir nos tâches, non? Oui. Don't leave me.